Une fête nationale en petit comité, donc les grands rassemblements et les bains de foule sont interdits. Malgré tout, certains Belges ne manqueraient ces festivités pour rien au monde. Nous en avons rencontré quelques-uns. Du fanion au ceinturon, sans oublier le masque, Michel voit en noir jaune rouge aujourd'hui. Car pour lui, Covid ou pas, célébrer le 21 juillet à Bruxelles est incontournable. Oui, bien sûr. Depuis toujours, depuis notre Robaudouin, je suis là, je suis présent. Michel vient d'assister à la sortie des souverains du Tédéum. Quant au défilé, cette année, ce sera devant sa télévision. C'est triste, mais il faut penser à la mémoire de ceux qui ont donné leur vie pour sauver des gens. Et ça fait partie aussi du civisme de nos compatriotes. Mais dans les rues de Bruxelles, les patriotes sont peu nombreux aujourd'hui, au grand regret de certains Bruxellois. Je voulais annoncer et rappeler aux touristes que c'était la fête nationale. Il ne se passe rien aujourd'hui, mais j'ai mis des lunettes. Lunettes pour madame, polo fait maison et masque pour monsieur. Ben j'aime ça, on vit en Belgique et je suis d'origine turque. Ben, je suis presque né ici, donc voilà, on est belge. Pourquoi pas fêter? C'est plus gai. Et un jour de fête nationale, qu'est-ce qu'on mange? Des frites. Mais ce midi, ce sont surtout des touristes français qui font la file place Poulard. C'est le trophée belge. Ah, bah, nous, on n'est pas belge, mais bon. C'est pour ça qu'on a pris ça. Ouais. Donc, manger des frites à 21 juillet. Ben, c'est l'obligation belge. Nous, à Paris, on avait eu beaucoup de drapeaux, tout ça. Et là, moi, je m'en rends pas trop compte, en fait, qu'il y a une fête nationale qui se déroule là, actuellement. C'est vrai qu'habituellement, un jour de fête nationale, la rue de la Régence est nettement plus peuplée. Aujourd'hui, pas d'animation, ni d'accès à la cérémonie d'hommage, place des Palais. Vous espériez voir le défilé, messieurs, dames? Oui, bien sûr. Oui, moi bien, parce que je viens chaque année et je trouve ça désolant, mais bon. Et là, vous tentez de passer les restrictions. Mais j'essaye de faire des beaux yeux, mais... Seule consolation pour ces curieux, le passage d'un véhicule de la famille royale.